Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'archange Raphaël aujourd'hui. Nous sommes mardi 4 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, petite philosophie du matin, affirmer sa différence. Nul ne nous oblige à aimer ce que tout le monde aime, à nous conformer à ce que la majorité pense. Il faut au contraire affirmer en douceur sa différence. Il y a un espace pour chacun et une promesse de bonheur pour tout le monde. Et bien voilà, belle philosophie pour ce matin. J'ai pigé l'archange Raphaël, qui est l'archange guérisseur, n'est-ce pas? Je le sollicite beaucoup, cet archange. Et aujourd'hui, c'est respirer. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Respirez. Souvent, dans des moments de stress, il se peut que vous reteniez inconsciemment votre souffle. Pourtant, comme vous le savez, la respiration est essentielle à l'oxygénation du cerveau, du corps, de l'esprit, ainsi que de la vie elle-même. Peut-être je vous invite à écrire une note vous disant de respirer et pour vous rappeler l'importance de se vivifier à l'aide de respirations profondes et régulières. Tout est dans la respiration, n'est-ce pas? Lorsque on vous dit de méditer et de faire des inspirations et des expirations, oui, c'est pour vous mettre dans... pour vider votre tête, que votre cac ne déborde pas, et aussi pour pouvoir bien respirer en profondeur, c'est-à-dire prendre la respiration avec gonfler le ventre, gonfler le thorax et vider les poumons. Vous savez, moi qui est un problème pulmonaire, je peux vous dire que c'est vraiment essentiel d'avoir l'oxygène pour respirer et de respirer eh bien, normalement et prendre le temps de bien respirer. Pourquoi pas faire des promenades à des endroits où l'air frais est abondant? Vous remarquez également une amélioration de la qualité de l'air quand vous serez près de l'eau, comme par exemple au bord de la plage ou d'un lac. Même une douche ou un bain vous mettra en contact avec les ions positifs associés à l'eau et à l'air. Alors, travaillez avec ce bel archange Raphaël, qui est encore une fois l'archange pour les maladies. Et savez-vous quel est le nom qu'on lui donne? Quelle est la signification de l'archange Raphaël? C'est le Dieu qui guérit. Dieu guérit. Alors, Raphaël est connu comme l'archange guérisseur en charge des soins physiques de tous les êtres vivants. Et souvent, n'est-ce pas, Raphaël, nous donne des instructions divines. Ça peut être une intuition, ça peut être une pensée, ça peut être une idée, ça peut être un rêve, et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'il nous montre
comment contribuer activement à garder un corps en santé. Déjà, si maintenant vous mangez sainement, vous faites un peu de sport, vous n'êtes pas dans une addiction de cigarettes, de drogue, de médicaments, de nourriture, de sucre, eh bien bon voilà, ça c'est déjà un grand point, n'est-ce pas? Alors, pour celles et ceux qui font appel à Raphaël à propos d'une guérison, eh bien, je vous invite à porter attention aux impressions en vous et assurez-vous de suivre jusqu'au bout toutes les instructions qui vous incitent à agir. Voilà, notre bel archange Raphaël est l'archange pour la guérison, pour les maux, pour les maladies. Et si maintenant vous êtes dans une problématique de santé, eh bien je vous invite vraiment à demander à cet archange de venir vous aider à faire un mantra avec cet archange Raphaël. Le mantra, c'est répéter son nom. Raphaël, 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 Raphaël. Je peux vous dire que moi, je le sollicite beaucoup. En tous les cas, dans ma maison, il est fort, fort sollicité par moi. Je termine avec le petit oracle des amoureux. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé pardon. Ah, combien de fois hein, que je vous ai déjà dit dans différentes capsules, le pardon est nécessaire pour pouvoir avancer. De un, c'est vous pardonner à vous-même en premier lieu. Parce que si vous ne vous pardonnez pas, vous ne pouvez pas pardonner aux autres. Donc, vous vous pardonnez. Et puis vous pardonnez aux autres, même si c'est difficile, même si vous devez pardonner d'une trahison, d'une tromperie, il est nécessaire de pardonner. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâché. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc pardonner sur les événements du passé pour pouvoir avancer. Si maintenant vous êtes en difficulté de pardonner de votre ancienne relation, vous ne pouvez pas avancer et l'univers ne mettra pas la belle personne sur votre chemin parce que vous n'êtes pas dans cette ouverture du pardon. Donc pardonner, c'est essentiel pour pouvoir ouvrir différentes portes. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente journée puis on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse, à demain.